Yo les bros, c'est JB. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture des Legend Items Gallery Wearable de Dragon Quest. Donc petits items que j'ai ramenés de Tokyo, donc vous pouvez le voir, il y a aussi le verre slime qui est plutôt très très stylé. Tout ça je les ai chopés au Lawson spécial Dragon Quest à Akihabara. Donc c'est un Lawson spécialisé dans Dragon Quest. Ce que je veux dire par là c'est qu'ils ont plein de petits items en plus des Lawson habituels sur le thème de Dragon Quest. Et un snacks en forme d'épée du héros qui avait l'air ultra stylé. Je vais vous mettre un petit screenshot vite fait là. Voilà, donc en fait c'est le Lawson qui se situe juste en face du Mandarake. Donc ce qui est hyper cool parce que comme ça on peut faire d'une pierre deux coups quoi, genre ses courses sur les 8 étages du Mandarake et ensuite enchaîner avec le Lawson spécial Dragon Quest. Bien ok, intéressons-nous un peu à ces items de Dragon Quest. Le premier point très positif c'est qu'on peut les mettre sur des figurines que je n'ai pas trouvé malheureusement, j'aurais bien kiffé m'en faire une mais bon, j'en ai pas trouvé. Le deuxième point très positif, c'est que ce n'est pas la première collection. En fait, il y en a eu d'autres qui sont sortis et il y avait carrément les armures. Et ça, c'était très très cool. Mon point négatif pour cette collection, c'est le fait que le set Elric, donc le héros guerrier légendaire, viennent en plusieurs parties. C'est-à-dire qu'en fait, il faut en acheter plusieurs pour avoir et l'épée et le bouclier. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Il y a un set de 8 objets à collectionner pour, je crois, 700 yens par objet. Enfin, par paire d'objets. Donc je trouve ça assez cool, c'est assez abordable, c'est quand même 6€, c'est un... Effectivement pour un bout de plastique c'est un prix, mais en s'en achetant un de temps en temps, on peut se faire la collection et ça c'est plutôt stylé. Donc comme on peut le voir, chaque item vient dans un espèce de petit scellé en plastique. Donc c'est plutôt stylé parce que ça peut permettre de les poser comme ça et d'avoir un style assez stylé dans une vitrine, pourquoi pas si on n'a pas les personnages pour les équiper. L'autre truc très cool, c'est que ça vient avec une main. Ouais, une seule main, par contre, ça c'est un peu abusé parce que bah, y a deux trucs, donc il faudrait deux mains. Enfin, bon, après voilà. Qui permet d'équiper l'arme ou le bouclier au personnage voulu. Ok, donc pour mon premier loot, j'ai eu le trident de Gracos et le bouclier de Gluante. Bon, le trident de Gracos, je crois m'en souvenir l'avoir eu dans le 9, mais je m'en souviens pas plus que ça, c'était pas une arme qui m'a trop marqué. Et pour ce qui est du bouclier de Gluante, mais alors là, c'est genre... c'est pas top tier, quoi, c'est vraiment tout l'inverse. Ils sont super galères à ouvrir, je sais pas, ça a collé, mais vénère. Ah, apparemment, ce case a pas trop supporté le voyage en avion, mais bon, c'est pas grave, on va ramasser l'épée, on va la remettre, et on va pouvoir la contempler. Ah, là, pour le deuxième loot, c'est un peu plus stylé, quand même. Il y a l'épée cosmique... qui est une arme dont je me suis pas mal servi dans Dragon Quest 9, et le grand bouclier du guerrier. Un truc assez emblématique quand même, quand on regarde, il est sur pas mal d'artwork. Ah, enfin que j'arrive à ouvrir à peu près correctement, ça c'est cool. Et troisième loot, un bâton de Sanguini et un bouclier enchanté. Ouais ok, j'ai clairement pas eu de chance quand même sur mes tirages, mais bon, c'est pas grave. Les items sont pas trop dégueux, donc ça passe. On va passer en gros plan histoire de profiter un peu plus de ces objets. Le premier point ultra positif qu'on peut voir quand même avec le gros plan, c'est que l'effet métal et comment dire, l'aspect général des armes est pas super dégueu, c'est du beau plastique et c'est plutôt pas mal. Le trident vient en deux parties, ce qui est plutôt cool. Le trident de Gracos, un trident utilisé par l'empereur de l'océan lui-même. Gracos l'aurait reproduit. Il exerce une force sur les démons des profondeurs des mers. Ouais, il est plutôt stylé, c'est pas dégueu, c'est cool. Bouclier de Gluante. Ce bouclier à l'apparence mignonne et unique est surmonté d'une figure de Gluante. Le bouclier absorbe les attaques ennemies avec son élasticité et sa flexibilité supérieure. Ouais, c'est un slime orange, quoi. C'est sympa, mais bon, voilà, quoi. Ok, et qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a le petit descriptif que je vous ai fait à chaque fois des armes. Donc en fait, juste marqué derrière, donc quand on lit japonais, c'est hyper cool parce que donc t'as un descriptif de chaque arme derrière ta boîte de collection, donc c'est plutôt stylé. Là, j'avais pas trop compris, en fait, tu peux pas mettre les objets à l'intérieur de la boîte, il faut les remettre sur la partie extérieure, il n'y a pas de trou. En fait, ça pousse pour pouvoir justement maintenir dans le trou du devant. Donc le trident est très très cool. Il y a une petite forme assez stylée avec marqué SQE, bien sûr, donc Square Enix. Et ça, je trouve ça un peu dommage qu'il l'ait placé à cet endroit-là, mais c'est pas grave, l'effet est plutôt stylé quand même. Et passons à l'objet que maintenant tout le monde attend.
Il s'agit de la main, donc scotchée sous la boîte. Donc je vous rappelle, on est au Japon, hein, 2% de criminalité, donc jamais personne ne volerait cette petite main sous la boîte. D'ailleurs, truc très très drôle, quand j'étais en train de me promener dans un magasin de manga, il y avait des affiches disant « Si vous voyez des gens voler, n'hésitez pas à prévenir un vendeur !» Genre délation, quoi. Bon, là, l'épée et le bouclier, l'effet métal du bouclier est plutôt stylé, même s'il fait très très plastique, et l'épée a vraiment un style incroyable. L'épée cosmique. Le ciel étoilé imprègne la lame de cette épée. Elle est capable de souffler l'ennemi avec l'étincelle de ce ciel étoilé. Bon, ça vaut clairement pas l'épée d'Elric, mais elle est assez stylée quand même. Le grand bouclier du guerrier. Le bouclier préféré des guerriers, pratique et robuste. Un grand bouclier résistant aussi bien aux attaques physiques qu'aux sorts. Ce que je trouve très très stylé quand même, c'est les lanières en cuir derrière pour les mettre sur le bras de ton personnage. Généralement, il ferait pas ça, genre généralement quand t'as un bouclier, bah soit t'as juste une petite encoche pour lui faire tenir, soit t'as deux points et ça se clipse quoi. Mais non, là, ils ont fait un truc assez stylé avec le coup des lanières en cuir et de la garde à tenir, c'est cool. Bon, le dernier pack... Ouais, il pue pas du cul, mais il est pas ouf, quoi. C'est pas genre le pack que je rêvais d'avoir depuis que je suis gosse, quoi. Le bâton de Sanguini. L'apparence de ce bâton fait un effet vache avec son adorable Sanguini dessus. Bam, bam, bam. Ok, et pour ce qui est du bouclier, lui il est très bien fait par contre. Bouclier enchanté. Ce bouclier a reçu une protection magique pouvant réduire les dégâts. Il absorbe aussi bien les attaques physiques que magiques. Il renforce la magie de son porteur. Je trouve la petite garde rose très très stylée, genre c'est le petit détail derrière le bouclier qui est plutôt cool. Et je trouve qu'ils ont assez géré quand même pour des petits objets comme ça, qui sont pas vendus seuls en magasin ou quoi, je trouve ça très très cool. Et bien sûr... N'oublions pas mon vert slime, dont je suis très 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 heureux. D'ailleurs, si vous voulez, j'ai fait des photos, je m'amuserai à faire plusieurs photos avec. Venez me rejoindre sur Twitter. Et on va se laisser là-dessus. Et moi, je vous dis à plus. Allez, salut, c'était JB.